Auditeurs, auditrices de Celles et Lumières, pèlerins de l'Oratoire, nous sommes réunis dans cette Eucharistie pascale, recommandée ce matin par M. André Labelle, à l'honneur de l'Oratoire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Personne d'entre nous n'a vu de ses yeux le ressuscité. Pourtant, nous sommes rassemblés en son nom. Afin de passer de l'indifférence à la foi, laissons-nous rassembler ainsi et laissons-nous guérir de notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. J'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui donne sans cesse la grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ pour se présenter à la table des noces. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les membres du Grand Conseil d'Israël étaient surpris en voyant l'assurance de Pierre et de Jean et en constatant que c'étaient des hommes quelconques et sans instruction. Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. Ils regardaient debout près d'eux l'homme qui avait été guéri et ils ne trouvaient rien à redire contre eux. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du conseil, ils se mirent à délibérer. Qu'allons-nous faire de ces gens-là? Certes, un miracle notoire a été opéré par eux. C'est évident pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais il faut en limiter les conséquences dans le peuple. Nous allons donc les menacer pour qu'ils ne prononcent plus ce nom devant personne. Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de proclamer ou d'enseigner le nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, on les relâcha, en effet à cause du peuple. On ne voyait pas comment les punir, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Tu m'as exaucé.
Au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. Seigneur, je te rends grâce, soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ressuscité de grand matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un aspect inhabituel à deux d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux onze eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur endurcissement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs, dans le Christ vivant, la bonne nouvelle qui nous fait dire, c'est le don de la foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, mort, enseveli, le troisième jour est ressuscité des morts. Ces mots du Credo nous sont bien familiers, au risque de dire que parfois, possiblement, nous les disons machinalement. Ils contiennent pourtant le fondement de notre foi. Saint Paul l'a prêché clairement. Si le Christ n'est pas ressuscité,
Notre foi est vaine, comme une folie aberrante. Notre foi, chers frères et sœurs, n'est pas un système idéologique. Elle est une conviction d'un cœur brûlant, une opération de l'intelligence, intelligence du cœur, qui engage toute notre personne. Nous avons le nom de croyant qui vient dynamiser dans toutes nos cellules même, notre identité personnelle. Par Jésus glorifié, nous vient donc une vie neuve. Notre mort physique est semence, semence décomposée naturellement pour mourir, mais pour jaillir en vitalité, infiniment radieuse, totalement spirituelle. Alors, la toute-puissance du Père, c'est d'être l'amour et la vie. Un Père, ça donne la vie. Entre la croix macabre et l'achèvement dans la croix glorieuse, il en assure le passage et reçoit dans ses mains l'Esprit de son Fils. Telle est la bonne terre. Dieu est donc du bord de la vie et de l'amour. Nous le croyons avec une conséquence qu'on pourrait dire même incroyable. Marie-Madeleine a vu le ressuscité. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs le reconnaissent avec du retard. Tous trois rapportent la nouvelle aux apôtres. Ils ne les crurent pas. C'est bien à y penser, bien sûr, parce que ce n'est pas facile de croire du premier coup en cette vérité, en cette réalité particulière. Oui, la résurrection est un avènement, plus qu'un événement, un avènement désarmant. Elle n'est pas comme une quelconque perfection humaine parvenue comme à un sommet idéal de la maturité psychologique ou autre. Non, elle est une réponse à une prière. Oui, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Frères et sœurs, Dieu est cause gratuite. Il est créateur de la résurrection, d'une nouvelle création. Et c'est une vie radicalement neuve, de telle sorte que, à tout jamais, toute vicissitude humaine disparaîtront. Tous en Dieu, Dieu en tous, miracle. Saint Jean nous dit dans le livre de la Révélation, cette parole réconfortante du Seigneur, « Sois sans crainte, je suis le premier et le dernier, je suis le vivant. J'étais mort, mais me voici vivant pour les siècles des siècles. » Ça doit bien englober le nôtre. De ce bonheur donné, puissions-nous, comme Pierre et Jean, dire, nous ne pouvons pas ne pas en parler. Amen. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fils de la terre et le travail de nos mains, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Maintenant et toujours.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail de nos mains. Nous te le présentons, Dieu viendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église et prends-la à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian Lepine, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, le bienheureux Jean-Paul II, le saint frère André, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est maintenant avec confiance que nous disons avec Jésus-Christ cette prière qui est aussi la nôtre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Encore le sang de Jésus-Christ, dans cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption. Qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.